Le but du jeu, rentrer cette aiguille inox, c'est assez rigide mais souple, par là ou inverse, et la ressortir par là ou l'inverse. Après j'enfilerai la gaine dedans. Et ben j'ai pas fini. Alors ça y est, j'y suis arrivé du premier coup. Ouais, joli, c'est bien content. Alors dans un premier temps, je retire le câble de frein arrière, que de toute façon j'ai coupé. Donc il ne me sert à rien. Là, ça sera creux. Je vais l'enfiler le long de mon fil inox. Voilà, vous verrez mieux là. Je vais donc enfiler ma gaine le long du fil inox. Tout en fixant sur la gaine le nouveau fil pour le feu arrière. Avec du scotch, hein, tout simplement. Là, comme ça. Et par contre, il ne faudra pas oublier lui, le joint qui va là. Donc il faut passer le fil d'alimentation du feu plus la gaine dedans avant d'attaquer la mise en place. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je prépare mon système d'aiguille. Ici j'ai bien dénudé le câble électrique et je vais mettre du scotch autour. Voilà, c'est attaché, il faut que ça soit très fin au bout. Vous voyez, à peine plus gros que la gaine. Et en forme, ben, au mieux de cône, hein. Faut pas mettre de butée là, sinon à la sortie là, ça va gêner. J'en ai profité pour, à peu près sur la longueur, remettre le joint, donc je ne l'oublierai pas. Là, je laisse ma bobine de fil pendre, puisque je ne sais pas combien il m'en faut. Je pendrai ce qu'il faut, ben, plus tard. Pour le moment je laisse comme ça et donc je vais me servir de mon fil inox. J'ai retiré le câble de frein, donc je peux l'enquiller comme ça. C'est ce que je vais faire maintenant, mais j'ai besoin des deux mains. Et ça y est, la gaine est sortie. Donc d'ailleurs je peux retirer mon fil inox. Vraiment bien ce fil. Je prends la longueur qu'il faut de gaine pour venir jusqu'à là. Et le fil électrique, et ben le fil électrique, je pense que je vais l'attacher sur la gaine à ce niveau là, parce que au moins je le fasse passer comme avant là-haut. Et je vais en prendre pour monter jusqu'à le raccord. Celui que j'avais d'origine, au lieu d'être là derrière, il sera là-haut derrière le garde-boue, c'est plus pratique. Ben voilà. Ensuite, je mets mon joint bien positionné comme ça, et ça sera réglé.